il faut dire que je n'ai pas vraiment envie de voir la tête de la maîtresse aujourd'hui. Tout simplement parce que je n'ai pas fait le devoir de maison qu'elle nous a donné. Je vais donc aller perdre du temps à la salle de jeu et à midi, je vais retourner tranquillement à la maison. Où sont les autres? Moussa et Ariel doivent sûrement être déjà en classe. Comme tu le vois, moi je suis venue directement ici parce que je n'ai pas fini le devoir que la maîtresse nous a donné. Moi je ne l'ai même pas commencé. Toi au moins tu l'as commencé et tu n'as pas fini. Alors installe-toi, on va jouer. Ouais! Génial, on est au complet. Nous avons profité de l'inattention de la maîtresse pour nous éclipser de la classe. Chers messieurs, faites vos paris, les jeux vont commencer. Moi, je parie sur Petit Kwadjo. Moi, sur Benny. Moussa, prépare-toi à mordre la poussière. Je ne vais pas te voir pleurer à chaudes larmes, hein. Oublie, Moussa. Hein? Il parie sur quelqu'un d'aussi nul que Benny. Je vais gagner ce pari et prendre tout son argent. Il ne lui restera plus un sou pour acheter son goûter. C'est que du bavardage. Tu sais, j'entends souvent mon père dire que c'est au pied du mur qu'on voit le bon maçon. On verra bien. On commence. Allez, Benny, donne-lui une bonne correction, vas-y. Je te fais confiance, mon ami. Allez. Ouais. Bande de petits garnements. Au lieu d'aller à l'école, vous séchez les cours pour venir jouer aux jeux vidéo. Pourquoi vous n'êtes pas à l'école? Maman, la maîtresse est malade aujourd'hui. Ah bon? Eh bien, devinez quoi, je viens à peine de votre école parce que votre maîtresse m'a convoquée. Parce que tu n'étais pas à l'école. Et là, tu me dis que ta maîtresse est malade? C'est l'un de vos camarades de classe qui m'a dit que je vous trouverai sûrement ici. Désolée, maman. Tata, nous avions eu peur d'aller en classe parce que la maîtresse a donné un devoir de maison que nous n'avons pas fait. Et pourquoi vous n'avez pas fait vos devoirs? Il faut faire ses devoirs, c'est très important, vous comprenez? Vos parents ont l'obligation de vous nourrir, de vous soigner quand vous tombez malade, de vous scolariser et de vous mettre à l'abri du besoin. À votre tour, qu'est-ce que vous devez obligatoirement faire? Nous devons obligatoirement nous rendre à l'école, étudier pour avoir de bonnes notes. C'est important pour notre avenir et pour le bonheur de nos parents qui se sacrifient tous les jours pour nous. Allez, les jeux, c'est fini. Prenez vos sacs, je vous raccompagne tous à l'école.